c'est quoi cette musique de nazi là? Bah, nazi, c'est autrichien ça. Toujours sur la pointe des pieds, le regard noble. Ça, c'est pas de la valse, hein. C'est combien de temps que tu fais avec ton frère? Je sais pas, depuis toujours. Oh, on n'est pas mariés. Cher, quoi là? Fais ce que tu veux avec ma sœur. Si un jour tu lèves la main sur elle, c'est moi qui t'éclate la gueule. Ça a merdé. Je sais, j'ai lu le journal. Faut que je te parle. Je risque de me faire serrer d'une minute à l'autre. Je voudrais que tu me files l'argent que tu me dois. Mais t'es malade, c'est impossible ça. Comment tu veux que je coule tout ça en 24 heures? Écoute, je te conseille de vraiment m'aider et de pas jouer au con. Mais qu'est-ce que tu ferais sans moi? Et toi, qu'est-ce que tu ferais sans moi? Elle va pouvoir dormir tout seul le soir, là, pauvre. Qu'est-ce que tu dis là? J'ai 800 kilos de cuivre là et je voudrais vendre très vite. Bah, c'est bien ça. Je te dis de pas jouer au con. Tu veux que je donne ton adresse au flic? Putain de merde! Ils ont identifié le corps sur la départementale. Ils m'ont dit que c'était le mec qui s'était embrouillé avec Loïc l'autre soir au café, là. Pourquoi ils t'ont parlé à toi? Il avait le crâne fendu hors deux. C'est évident qu'il a été tué. Tu sais, c'est un malade, Loïc. Qu'est-ce que t'as flippé? Toi aussi, tu me crois coupable? C'est vrai que c'est quelqu'un d'impulsif, mais de là à tuer quelqu'un, moi, j'y crois pas trop. Tu me fais une petite place. Tu putes.